Hey, yo tout le monde, c'est Mathieu, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tournoi mondial. J'avais pas du tout prévu de faire un deuxième épisode, mais j'ai vraiment kiffé jouer les games où elles sont assez intenses. Et je pense que je vais vite rager sur les prochaines games, étant donné que c'est dans ces eaux-là que les games commencent à se compliquer. Mais on va jouer full tryhard aujourd'hui. On va juste jouer un seul deck. On va jouer ce petit deck bridge spam qui est super fun à jouer, surtout grâce au miroir qui permet de faire des petits combos assez sympas. Et puis voilà, hein, j'ai fait quelques games histoire de me chauffer et de monter un petit peu, d'avoir des games un peu plus intéressantes. Vous voyez qu'on est à 15 victoires, une défaite, sachant que la défaite, on l'a fait je crois à la deuxième ou troisième game, mais c'était avec un autre deck, c'était avec un deck golem élection, c'était un petit peu raté, on s'était un petit peu abusé. Donc pour l'instant je suis encore invaincu avec ce deck, donc on va croiser les doigts pour que ça reste le cas jusqu'aux 20 victoires dans cette vidéo. Et puis voilà, on est parti, on n'hésite pas à s'abonner et à mettre un petit pouce avant que la vidéo commence. Parce qu'on est en route pour les, bon, les 200 000 peut-être pas, mais au moins les 120 000, ça ferait plaisir. Et on est parti. Allô ? Ok. Oh, imaginez c'est un brain et il va me 3 couronnes. Attendez, c'est un génie s'il fait ça là. Ok. Bon bah voilà, hein, le deck plutôt solide. Hein, bah je sais pas si c'est... ça a pas l'air d'être un français. Hein, ça a l'air... c'est peut-être un abonné, je sais pas. Mais bon, dans tous les cas... ça fait une petite victoire en plus. Ok, bah pourquoi pas, hein, ça commence tranquillement cette petite vidéo. Juste baisser son un tout petit peu. Ok. Ok, ok. Ou alors peut-être que je l'avais déjà croisé l'arrache. Non, je pense que c'est juste un mec qui m'a... je sais pas. Ou alors... ah non, je sais. Je sais les gars, c'est peut-être un mec qui était à 15 victoires et il s'en fout de finir le tournoi. Mais oh, je m'en fous des badges. Laissez-moi jouer. C'est juste un mec qui voulait récupérer les 15, les 15 récompenses, en fait les victoires des 15 victoires. Du coup il avait pas besoin de jouer plus que ça, donc je pense qu'il a rage-quit tout simplement. Je pense même pas que c'était un abonné ou quoi. Mais tant mieux pour nous. Hein. On a les supporters, regardez les supporters qui sont ici, les supporters sont là, ils sont présents les gars. Ils sont présents, ils sont avec nous. Ok, le petit fantôme qui va aller gérer tout ça. J'ai très très peur d'une roquette, mais on va quand même le faire. Voilà la tornade. On peut peut-être essayer de le punir là-dessus. On va voir. Ah, c'est chiant ça. Ah non, j'aime pas du tout ce match-up. Putain, comment ça. J'avais dit que j'allais me plaindre dans cette vidéo. Bah, ça commence dès maintenant. Ah, j'aime tellement pas ce match-up. Ah ouais, parce que j'ai rien pour le putain de baby dragon en fait. C'est ça qui me rend ouf. Ok. Alors on va peut-être pouvoir faire un truc là-dessus. Ok, on a eu les deux, c'est parfait. Ça va faire très mal ça. Hein. Barbare d'élite à l'opposé. Kappa. Ah, il cycle trop vite. Ah ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très très compliqué cette game. Surtout que nous... oh, attention, ça collecte. Ça collecte des très très beaux dégâts. Attendez. Ça va pas être compliqué du tout en fait. On est juste en train de lui rouler dessus. Et on va peut-être pouvoir finir à la boule de feu. On va bien voir ce qu'il nous réserve le frérot. Ok. Ah, ça a connecté, le fantôme qui a connecté. Ok, c'est parfait ça. La charrette qui reste même en vie. On va juste boule de feu, encore une fois une bonne value de notre part. On va pouvoir partir à l'opposé, peut-être forcer quelque chose, ça peut être sympa. Une petite kappa, hop. Alors on met la pression, on continue. Nice, on va aller terminer tout ça. Et là on a juste à def, hein, de toute façon. On a juste à défendre, hop, tranquillement. Nice. 2500 points de vie. Ouais, c'était vraiment le plus dur en fait, c'était de mettre des dégâts. Je sais même pas comment on est passé, honnêtement. Je pense qu'il a dû merder quelque part. Et puis une fois que vous avez pris la tour, en vrai ça va. En vrai ça va.
Je m'attendais clairement à pire. Du coup, voilà, on commence par la première vraie victoire de cette vidéo. Je laisserai quand même la première toujours pour le kiff. Mais ok. Pas facile quand même. Normalement, il doit jouer Valkyrie ou Chevalier. Je pense que c'est largement plus difficile que le maître minier. Vous voyez que le baby dragon n'a pas grand chose pour aller gérer la tombstone non plus. On a même rien du tout pour aller gérer la tombstone. On n'a pas de bûche, on n'a pas de poison, pas d'archer magique. Les troupes qu'on peut retrouver. Je peux plus jouer. Je suis ban du jeu, j'ai plus le droit de lancer. Et on va aller voir. Je crois que les premiers joueurs sont à 40 victoires. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'ils montent plus haut que ça. Hein, parce que vu le départ qu'ils avaient fait fulgurant, je m'attendais à plus. Ok. On va pas activer la tour du roi, c'est pas trop grave. J'avais pas le fût malheureusement. Pas le fût en main de départ. Mais c'est pas trop grave. Est-ce qu'il va mettre. J'ai très très peur qu'il mette sa princesse donc. Hop. On va mettre ça comme ceci. Si je mets ça, il va sûrement mettre des gardes. Et après, si j'active la capa, on peut peut-être esquiver un truc. Ok, les squelettes qui vont mourir. Ouais, est-ce qu'on a recyclé sur quelque chose? On devrait gratter des petits coups. Ou forcer une Valkyrie, c'est assez bénef pour nous. Ah, il va falloir être très intelligent sur la contre-attaque. S'il envoie un fût maintenant, on peut faire très très mal. Hein. Ah, il a un petit peu trop tardé. Ah, on va pas pouvoir le punir malheureusement. C'est pas de bol. Ok. Maintenant. Elle est où la Valkyrie? Elle est où la Valkyrie? La petite capa? Voilà, parfait ça. Bah alors frérot, je savais que t'allais défendre à la Valkyrie, je le savais. Il va falloir qu'on le force comme ça. En fait c'est ça, en terrestre il a vraiment rien pour le fantôme. Donc il faut qu'on utilise le fantôme pour forcer la Valkyrie. Et derrière nous, on envoie un bus de l'autre côté. Donc on va faire la même je pense hein. Hop, on prend les boules de feu aussi, c'est bénef. Oh, alors ça. Ça je pense qu'il va le regretter hein. Oula, c'est peut-être moi qui vais regretter du coup. Attendez, mais il va défendre aussi facilement que ça là? Ah ouais, c'est abusé hein. Il va recycler sur une Valkyrie. Allez, vite, vite, vite. Ouais, c'est pas si fou que ça. Hein. Nope. Viens par là, toi. Il m'a complètement brain. Enfin, il l'a mis beaucoup plus en retrait. En fait, c'est soit je perdais de l'élixir. Bon, je vais me taire, je vais me concentrer. Et on va voir ce qu'on peut faire avec ces petites troupes. Oh, j'ai raté? Oh non. Deuxième chance. Deuxième chance, les amis. Derrière encore, on l'a vu. On sait pas avoir deux fois. Là, ça commence à faire mal, là. Là, il peut pas défendre. Là, il y a trop, là. Il y a trop, hein. Il y a juste trop. Il peut pas défendre. C'est impossible qu'il défende. Allez, on force encore. La double boule de feu. Oh non, on l'a pas eu. On maintient des deux côtés. Eh, ça va être le GG, vous voyez la pression monstrueuse qu'on lui met. En fait, je pense que nous, vraiment, on se débrouille pas trop mal en x1, x2, x3, mais x4, c'est ingérable. On peut mettre une pression des deux côtés. Oula. Je m'étouffe un petit peu là. Je m'étouffe dans mes explications. Mais ouais, on peut mettre une pression qui est monstrueuse à la fin. On arrive à cycler assez rapidement pour pas qu'on se fasse outcycle sur le fuir gobelin. Et c'est ce qui fait qu'on peut tenir les défenses. On prend le contrôle complet au middle. Et on peut boule de feu de temps en temps s'il y a des princesses qui dérangent à droite à gauche. Donc non. J'aime vraiment beaucoup ce deck. Surtout en x4, x5 quand ça part en steak là. Et qu'on peut envoyer des barbares d'élite. Les barbares d'élite au pont quand il a rien pour défendre, c'est tellement satisfaisant. Quand tu le vois être en PLS et que toi t'es là, t'as juste à rajouter à gauche, à droite, à gauche, à droite.
et tu le regardes douiller. Ok, on va cycler un petit fantôme fond du terrain. On va pas le mettre au pont au cas où il est une tornade. On va mettre la charrette. On prépare les barbares d'élite jamais mis un bouddhiste. Merde. Oh, ça c'était pas malin ça. C'était pas malin du tout. Et sauf qu'il s'attendait pas à ce que j'en ai un deuxième. Alors mon pote. Alors ma petite compote. On s'y attendait pas à celle-là. Hein. Et là je pense que ça part chevalier et barbare d'élite. Hein. Comme ça, regardez. Hop, hop. Oh, 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 ça va faire mal. Attention. Attention frérot. Attention mon petit pote. C'est vrai que j'ai plutôt du skill là sur... Oh là 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 là, et le chevalier d'or qui rodage sur la tour, qui va aller gérer le bouliste. On peut peut-être aller terminer avec une boule de feu. La boule de feu qui est ratée encore une fois. Pas trop mal ça. Ça fait plaisir. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va boule de feu miroir sur ce petit dragon élec de merde là. Voilà, comme ça on va quasiment le terminer. Ça m'embête un petit peu parce que du coup il faut que je cycle rapidement là-dessus. Attention au gel. Ok, c'est bon. On s'est pas encore gagné hein, parce que j'ai pas un deck vraiment fait pour l'aérien. On a que l'électro-sorcier et la boule de feu. Donc ça peut être délicat à gérer. Surtout s'il fait un gros push. Hein. Et là il va faire un gros push. Hein. Ah bah oui. Là frérot. On va mettre un... Ah ouais, on va faire ça comme ça. Hein. Oula. Peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue là-dessus. Allez frérot, un petit effort. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Il faut tenir 30 secondes. Allez frérot, un petit effort. Un tout petit effort. Un tout petit effort frérot. C'est tout ce que je te demande. On va essayer de faire mourir la charrette pour qu'elle puisse envoyer un petit bouclier peut-être. On peut recycler sur un électro. Et oui, je crois que ça va être le GG. On peut le refaire vite. Non, 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 non. Oh, c'était chaud. Oh, c'était chaud. Mais on a réussi à tenir. Et peut-être même la tour encore. Oh là 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 là. Et le 2-0 qui tombe contre Haro. Vraiment compliqué ses défenses puisqu'il espaçait bien ses troupes. Moi je pouvais pas trop poser fond du terrain parce que sinon je perdais de la value. Je pouvais pas mettre pression 3 couronnes non plus. Non là c'était ce qu'il fallait faire mais c'était tendu juste. Et on est déjà à une victoire. On va peut-être faire un peu plus, j'avoue, si on fait 20 victoires. On va peut-être en faire une ou deux de plus puisque les games sont un peu plus rapides que d'habitude. Et on va profiter qu'on est en forme pour vous proposer du bon gameplay. Alors c'est plus gameplay que explication aujourd'hui puisque bah ça y a trop de trucs en fait. Il y a beaucoup de trop de trucs à penser. Alors bah, on va refaire la même hein. Je pense que fantôme c'est la meilleure ouverture qu'on puisse faire. 3 d'élixir, ça casse les couilles dans tous les cas. Et puis voilà, comme ça nous on force une réponse adverse et on peut poser notre charrette tranquillement. Voilà. Je sais pas si... Ok. Ouais, j'étais pas sûr de vouloir le défendre. Est-ce que ça passe? Ah, dommage. Ah, pas grand-chose. Hein. Ah, je sais pas s'il va rajouter quelque chose devant. On va attendre. Non. Ok, on attend le x2 tranquillement. C'est pas trop grave. On va prendre un petit coup. Je vais mettre un électro-sorcier. Ah non, ça c'était pas prévu ça, frérot. Non, tu nous fais quoi là? Ah non, c'est quoi ces merdes là? Oh non, non. Mais on s'amusait bien, on passait un bon moment et tout. Oh mais non. Faut pas se sentir obligé de tout ruiner comme ça à chaque fois là. Oh putain. Et vous allez voir que là le miroir il va nous sauver hein. Ah putain, il a une tornade, c'est ça qui nous mettait dans la sauce. Oh la sauce. Ah, je suis obligé de boule de F. Je suis obligé de boule de F. Oh là 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 là. Là c'est un cauchemar encore.
avec la tombstone et tout. Oh là 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 là. Après la petite ouais, on va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Je vous promets rien les amis. Surtout s'il fait des... Mais je peux pas passer à cause de la tombstone. Je peux juste pas passer. Attention à la tornade. Ah c'est GG les gars. Je crois que c'est le premier counter de cette vidéo hein. Parce que là clairement Ouais je pouvais pas. GGGG, la tornade fait trop mal. Molos, Molos parfait pour défendre. On aurait peut-être pu... je vais regarder un petit peu le début de partie si on aurait pu mettre la pression en début. Mais là, à partir du x2, x3, c'est sûr que c'était GG. Le Dragon Elec, ouais. Non, il nous a bien eu. Alors. Voyons voir ce qui s'est passé en début de partie. J'avais pas une main de ouf et je savais pas du tout ce qu'il joue aussi. Je pense que si je le rejoue, ça serait bien différent. Là ça joue ça. Ouais là j'avais un gros avantage en élixir. J'étais à plus 5 mais il voulait que je fasse quoi? J'aurais aimé pas avoir des topons. Ouais j'aurais dû mettre Chevalier d'Arc fond du terrain hein, je pense. Ouais j'aurais pas dû rester à 10, my bad. My bad, my bad. Allez on continue. Voilà je suis clairement aucun regret sur cette game. Aucun regret. Alors un autre molos, un autre ballon. Voyons voir ce qu'il a en stock. Petit molos first play là. Ah, bah pour l'instant ça ressemble. Hein. Ça ressemble, ça ressemble. Sinon, s'il y a vraiment trop de molos, sont. Non, frérot. Non, arrête, arrête, arrête. C'est un prank là, c'est un prank. Rassure-moi. C'est un prank. Allez hop, tu pars. En mode Speedy Gonzalez mon pote. Ah, me dis pas qu'un bully ça va tout défendre là. Aïe aïe aïe. Et pourquoi je fais ça? Ça sert à rien. La charrette elle a pas passé. Ça passe. Ouh, ça passe pas, mais ça force de l'élixir. Est-ce que ça pourrait pas forcer même un petit peu plus là? Ah, dommage. Je pensais que la charrette allait être plus gênante que ça. Ok. Eh bien, on est reparti pour du ballon. Oh putain, je m'attendais tellement pas. Pourquoi je pensais au ballon? Il a un gel. Ah, quoique, oui, non, non, c'est logique hein, qu'il jouait pas ballon. Hein. Il faut jouer intelligemment là, les gars. Il joue gel. Il faut jouer autour de ça. Il joue poison. Yes. Ça fait toujours plaisir. Ah, s'il fait des dingueries comme ça, par contre, c'est bon pour nous. Hein. C'est très très bon pour nous même. C'est très 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 bon pour nous. Hein. Oh! En prison. Ok. Oh, la capacité qui était toujours active. Peut-être. Allez, la boule de feu. Encore, encore. Faut que ça connecte, faut que ça connecte. On connecte du dégât, on connecte. Allez, encore, on connecte du dégât. On connecte. Ah putain, j'avais oublié ce poison de merde là. Ah, j'aurais pu toucher la tour si j'avais été réactif. Je m'attendais au cimetière en fait. Je m'attendais au cimetière. Il va sûrement poser ça très très haut. Voilà. Hop, la capa pour reset tout ça. Parfait, il va mettre un bouliston par l'opposé.
Ok, vite la BDF, au middle. Akapa. Sur la tour. Ah dommage, on était pas loin. Attention, le freeze. Ah, il y a un squelette à gauche là. Ah, regardez-moi ce squelette à gauche là. Aïe, 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 aïe. Mais il fait pas plaisir. Hein. Allez, on bourre, on bourre, on bourre, on bourre, on bourre, on bourre, on bourre. On bourre. Let's go! Eh ben il a bien tenu hein. Il a bien tenu, il s'est bien défendu et on a eu un putain de squelette qui a spawn dès le début là. Ah c'était galère hein. C'était galère, mais écoutez, au moins on va se laisser là-dessus du coup, je pense, vu qu'on a fait une petite défaite, on va pas forcer plus que ça. Je vais peut-être essayer de le tryhard en off. Et si jamais je suis une bonne paire, je vous mettrai des replays où je vais record les games. Mais 20 victoires de défaite, je trouve que c'est très très propre en tout cas. Le deck est vraiment amusant à jouer. Si jamais il vous reste encore quelques victoires à faire dans le tournoi ou que vous avez un petit compte, n'hésitez pas à laisser tester le deck par vous-même. Vous avez une autre vidéo un petit peu au-dessus, il y a d'autres gameplay, mais voilà, les games je pense aujourd'hui étaient quand même nettement plus intéressantes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et nous se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Lemonty, ciao ciao.